c'est Caroline. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing de la compagnie Oraloa. Donc j'ai passé commande pour deux toiles et un puzzle que je vais vous montrer aussi dans le prochain unboxing. Donc c'est la deuxième toile celle-ci. Donc j'ai très hâte de vous la montrer. Elle est trop mignonne. Donc, c'est cette petite image-là ici que j'ai choisie. Donc, c'est le chat manteau de Akira Amaya. Donc, en diamant carré, évidemment. Moi, c'est que du carré. Donc, on va aller ouvrir ça. Oh, j'ai trop hâte. Ça, c'est des petites toiles bonbons. Voyons, je vais les serrer. Et voilà. Donc ça, on va aller ouvrir. Avec les plus petites toiles, ça vient dans des belles petites boîtes comme ça, rose. C'est magnifique. Elle est vraiment très, très belle, cette boîte. Donc celle-là est un peu plus grande que la précédente. Celle que je vous ai montrée, la princesse des roses, était un peu plus petite. Celle-là, je pense, c'est une 35 par... Y a-tu les informations? Ouais, 35 cm par 35 cm. Ouais. Donc, elle est un petit peu plus grande. Donc, ici, on a un numéro de référence et ça vient dans un papier transparent comme celui-ci. Et allons voir. J'ai toujours de la misère à le sortir. Ok, je l'ai. Et voilà. Ça, je vais garder le papier transparent parce que je vais le ranger après. Oh, wow! Regardez-moi ça! Comment c'est trop chou! Oh, j'ai une nouvelle plaquette. Je viens de voir. Je suis trop contente. Donc, ici, on a encore une fois le code promo de 10%, mais vous pouvez utiliser le bien qui est Caro10. Donc, moi, ça me donne une petite commission si vous utilisez mon code promo. Je tiens à le préciser. Et ça donne des sous dans une cagnotte qui va me permettre de vous faire des unboxings comme celui-ci, en fait, pour vous montrer des nouveautés. Donc, ça vous donne une idée, là, puis c'est de si vous aimeriez ou non comme toile. Donc, c'est vraiment génial. Oh, wow, les couleurs. Donc, je vous remercie d'avance à ceux qui vont l'utiliser et merci à ceux qui l'ont déjà utilisé. Merci beaucoup. Donc, ici, on a... Je vais juste plier celui-ci. On a le mot de bienvenue. Donc, en quatre langues. On a les instructions juste ici et les petits conseils. En quatre langues également. Et maintenant, c'est nouveau, mais le papier de la feuille de route, elle est comme argentée. C'est magnifique. Elle est vraiment très, très belle. Donc, on a 38 couleurs au total et on a 3 AB. Donc, le 210, le 550 et le 5200. Oh, wow! Ça va être superbe. Donc, on a toujours les étiquettes prédécoupées ici. Je ne sais pas si ça va bien se défaire. Oh, ouais, ça semble. Ouais. Et tout ça, c'est autocollant. Donc, vous pouvez découper ici cette image-là et le mettre dans votre cahier de suivi. Donc, ça, c'est merveilleux. Je vais replacer le film plastique pour que vous la voyez mieux. Parce que là, elle est comme pliée un peu. Ça, n'hésitez pas à replacer le film. Hein. C'est de la colle coulée.
à chez Oraloa. Donc, il n'y a pas de danger de rivière. N'hésitez pas à replacer le film plastique pour l'aplatir en même temps par la même occasion. Et pour enlever les petits plis, simplement juste bien retirer l'air entre la pellicule de plastique et la toile pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bulles d'air, puis que ça sèche éventuellement la colle. Vous voyez, elle est déjà à plat. C'est comme ça. Et je vais prendre ma raclette pour chasser l'air. Ça, c'est merveilleux pour chasser l'air, là. J'utilise ça pour faire mes sections. J'utilise ça pour redresser les diamants. J'utilise ça pour chasser l'air, comme ça, ici, pour retirer les bulles d'air. Je l'utilise pour plusieurs choses. Vous entendez le petit couic? Ça, c'est l'air qui est chassé. Donc, et voilà la toile. On a le maudit reflet de lumière. Et voilà, on la voit mieux comme ça ici. Oh, elle est trop mignonne! Et ça, on voit, je pense, c'est sa queue. Oh, trop chou! Ici, on a le nom de la compagnie, donc Oraloa. On a la table des matières ici, à gauche et en bas à droite. On a le nom de l'artiste juste ici. On a le titre de la toile, le numéro de référence et les dimensions. Ici, on a leur signature, donc « Let your creativity sparkle ». Et ici, on a leurs réseaux sociaux, donc Facebook, Pinterest, Instagram et leur site Internet. Donc, on a une toile en toucher tout doux. C'est en coton et ici, c'est tout dentelé. Et troué sur les bords pour éviter que ça s'effiloche. Donc ça, c'est merveilleux. J'ai pas vérifié la colle avec vous, mais on va aller voir. Donc ça colle hyper, hyper bien. Donc ça, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a de la colle là? Ouais, ça colle ici. On dirait qu'il y a comme de la colle aussi jusque-là, mais ça va créer peut-être une petite saleté, mais c'est pas grave. On voit déjà que... Mais c'est pas grave. Mais techniquement, la colle, elle s'arrête ici. Donc, je sais pas pourquoi c'est collant ici, mais c'est pas grave. Donc ça, on va aller voir le toolkit. Donc, je vais mettre la toile de l'autre sens pour que vous puissiez mieux voir. Je vais vous rapprocher. Donc, le toolkit, ici, on a l'entonnoir. Donc, j'ai la même couleur que j'avais pour l'autre toile. Donc, j'en ai deux. Donc, c'est la même chose. Hein? Sauf que dans ce kit-là, ici, j'ai une pince verte en métal, comme ça, une pince verte. Vous avez trois couleurs. Il y en a une rose, il y en a une verte. Et il y en a une mauve. Donc, ça. On a un stylet avec un embout simple et un embout de 3. Et on va sortir tout ça. Donc, ça vient dans un petit sachet. Comme ça, ici. Avec le petit tiki sur le dessus. Trop mignon. On a aussi un embout de 9, comme ça ici. On a un petit squishy pour le confort. On a une barquette blanche avec bec verseur. On a ici un washi tape à l'effigie de Oraloa. Donc, on a un bon 5 mètres. Donc, quand même, on a une bonne quantité. Donc, c'est un toolkit très, très, très complet. Hein? Ici, on a 3 pains de cire dans un petit pot pour éviter que ça sèche. Donc, ça, c'est merveilleux. On a ici une carte de remerciement.
Oh, on a des autocollants. Ah, celui-là, je l'avais. Et celui-là, c'est un nouveau, je ne l'avais pas. Trop, trop beau. De magnifiques autocollants que je garde précieusement. Oh, elle est toute tachée, je ne sais pas pourquoi. Mais je vais nettoyer sa part. Donc, j'ai cette plaquette-là. C'est la première fois que je la vois, celle-là. Je ne l'avais pas du tout, celle-là. J'ai juste ceux qui sont individuels. Mais là, oh, je suis trop contente. Exemple. Et on va aller gratter ça. Voir si on a gagné. Donc, on va aller voir. Please play again. Non, on a perdu, mais c'est pas grave. C'est toujours le fun. Je trouve ça génial qu'il ait remis, là, comme je disais dans la dernière vidéo, qu'il ait remis les petites cartes à gratter. Donc ça, on va retourner voir la toile. Et voilà, et je vais vous montrer les diamants. Donc voici la palette de couleurs. C'est magnifique. Mais waouh! J'adore complètement. Les teintes de mauve, de rose, de bleu, tout ce que j'aime. Tout, tout, tout ce que j'aime. Donc, les AB, on a un blanc et deux mauves. Oh boy, il y a beaucoup de blanc, hein? On a deux sachets de blanc AB. Et voilà. Donc, on a deux sachets de blanc comme ça ici. Le 5200. Donc, on a tout ça de blanc quand même. Je pense que tout ça ici, c'est du AB. Oui, tout ça ici, c'est du AB. Tout ça ici, c'est du AB. Tout ça ici, c'est du AB blanc. Blanc. Tout le contour, c'est du AB blanc. Ici aussi, le petit flocon, c'est du AB blanc, le contour. Ici aussi. Donc, un autre flocon ici qui est du AB blanc. Ici. L'intérieur de ses yeux aussi, le blanc de ses yeux, là, c'est du AB. Ah, oh, ça va briller. Donc, ici aussi, waouh! Donc, c'est pour ça qu'on en a quand même beaucoup. Hein. Il y a ici le 550, donc c'est le 37, c'est le symbole C. On en a ici. On en a dans ses yeux ici. Ici. On en a dans ses oreilles ici, le contour. Un peu ici. On en a ici. On en a ici. Et ben, on en a moins celui-là. Hein. On en a aussi le contour de sa queue ici. Ouais, et c'est pas mal ça pour ce qui est du mauve foncé. Et le mauve plus pâle, celui-là ici. Je sais pas si vous l'avez montré de proche, là. Donc, c'est le 550. Il est magnifique. Et celui-là ici, c'est le 210. Donc, le mauve plus pâle. Celui-là, c'est le crochet. On en a ici. On en a ici. C'est surtout au niveau du fond de ce que je vois. On n'en a pas beaucoup non plus. Hein. Ouais, c'est pas mal tout, je pense. Ouais, j'en vois pas d'autres. Non, mais ça va briller, hein? Ça va briller de mille feux. Ah, elle est vraiment trop, trop belle. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi, j'ai craqué complètement. Regardez-moi cette petite bête-là. Les petits yeux. Ses grands yeux, en fait. Ah non, j'ai craqué complètement. Elle est vraiment trop, trop belle. Et cette toile était même moins chère que celle de la Laure Philippon. Je pense qu'elle est à 50 $ canadiens. Au moment de mon achat, là. Donc, c'est vraiment pas cher, là, quand même, pour une bonne petite 35 par 35. Et chez Oraloa, c'est les tailles réelles. C'est pas bord inclus ou c'est vraiment une 35. Si on va la mesurer pour le fun, là.
Mais pas mal sûr que c'est une 35 par 35. 35, oui. Par 35, effectivement. Donc, ce qui est le fun avec Auraloa, c'est qu'on est sûr de la taille. Comme ça, on peut planifier un petit cadre pour l'encadrer si on veut. Donc, ça, je vais ranger les diamants. Je voulais vous montrer aussi l'impression de la toile. Donc, vous voyez, le quadrillage, il est très, très, très bien visible. C'est de toute beauté. Magnifique. Et voilà ce qui conclut ma petite vidéo. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo d'unboxing de chez Auraloa, donc de mes petits craquages. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous avez craqué pour un de ces modèles? Donc, n'hésitez pas à lever vos petits pouces si vous avez aimé et également à commenter. Ça fait toujours plaisir de vous lire et aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, moi, sur ce, je vous remercie beaucoup à l'avance et je vais vous mettre le lien des toiles en barre de description ainsi que mon code promo qui est CARO10. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Ça encourage la chaîne par la même occasion et ça vous donne un bon 15% de rabais pour tout le mois de février. Profitez-en parce qu'après, il retombe à 10% à partir du mois de mars. Donc, on est gâté pour le mois de février, le mois de l'amour. Donc, on a un beau 15% pour vous pour le mois de février au complet. Donc, et voilà. Donc, moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous fais de gros, gros bisous et on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci. Bye, bye.